Ivoire PME, accompagner l'avenir. PME ivoirienne, Campus PME est une opportunité de résilience pour vous face à la Covid-19. Profitez de cette plateforme d'e-learning du programme PAMER, initié par l'agence Côte d'Ivoire PME en collaboration avec la GIZ, en allant sur le site www.campuspme.agencipme.ci. Inscrivez-vous pour former gratuitement votre personnel avec plus de 30 thématiques bientôt disponibles. Contact 20 00 12 28 20 00 18 38 22 54 80 90. Agence Côte d'Ivoire PME, accompagnez l'avenir. PME, accompagner l'avenir. PME ivoirienne, Campus PME est une opportunité pour vous face à la Covid-19. Profitez de cette plateforme d'e-learning du programme PAMER, initié par l'agence Côte d'Ivoire PME en collaboration avec la GIZ, en allant sur le site www.campuspme.agencipme.ci. Inscrivez-vous pour former gratuitement votre personnel avec plus de 30 thématiques bientôt disponibles. Contact 20 00 12 28 20 00 18 38 22 54 80 90. Agence Côte d'Ivoire PME, accompagnez l'avenir. PME, accompagner l'avenir. PME ivoirienne, Campus PME est une opportunité de résilience pour vous face à la Covid-19. Profitez de cette plateforme d'e-learning du programme PAMER avec la GIZ en allant sur le site www.campuspme.agencipme.ci. Inscrivez-vous pour former gratuitement votre personnel avec plus de 30 thématiques bientôt disponibles. Contact 20 00 12 28 20 00 18 38 22 54 80.
Est-ce qu'on peut... Allô, bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez? On vous entend très bien, monsieur là. Bonjour. Ok, merci. Bonne arrivée à tous, mais avant de commencer, je voudrais juste m'assurer. Monsieur Yoda, il faudra parler un peu plus fort, hein, sinon on n'entend pas. Ok, merci Hassan. Je disais que avant de commencer, je voulais m'assurer que du côté de l'agence Côte d'Ivoire PME, tous les intervenants sont présents. Donc, je vois que M. Jérémy est là, Arsène Dupont également. Est-ce que M. Paul Ngoran est là? Ok, je vois. Donc, je pense que c'est bon. Bonjour à tous. Nous sommes plus de 50 participants en ligne. Et je voudrais démarrer cette session par déjà présenter mes félicitations à tous les soumissionnaires qui ont été retenus pour effectivement démarrer ce programme de renforcement des capacités mis en œuvre par l'Agence Côte d'Ivoire PME à partir de l'appui de la coopération allemande et par le partenaire technique, la GIZ. Donc, je voudrais effectivement réitérer mes félicitations à l'ensemble de ces acteurs de l'écosystème des petites et moyennes entreprises en Côte d'Ivoire. Et une fois le fil, plus vous avez fait confiance à l'agence Côte d'Ivoire PME. Je voudrais, une fois ceci dit, également présenter un peu nos excuses pour le retard avec lequel ce programme démarre. Effectivement, vous avez soumissionné il y a plusieurs mois, mais ce retard s'explique un peu par les questions. Nous avons basculé ce programme en mode, effectivement, plateforme e-learning en ligne. Et donc, du coup, il fallait nous assurer de consolider d'abord la plateforme, de recruter les différents consultants qui vont pouvoir mettre en ligne les différents modules de cours et puis tester et nous assurer effectivement que ce dispositif marche. Donc, c'est ce qui est fait. Et donc, nous convions pour ce kick-off, si vous voulez. C'est une réunion, un meeting d'information
sur la plateforme, sur le programme PAP, et puis effectivement, comment pouvoir s'inscrire. Donc, de façon déroulée, je pense qu'il y a ce mot introductif de la direction générale. Au nom de M. Bama Salimou, nous vous disons bonne arrivée chez vous, bonne arrivée à l'agence Côte d'Ivoire PME, bonne arrivée sur le programme d'appui à la productivité, le programme PAP. Donc, le déroulé, c'est tout à l'heure, vous allez effectivement avoir le chef de projet qui va vous présenter un peu le programme PAP et puis nos techniciens sur le volet plateforme, administration de la plateforme e-learning. Monsieur Jérémy Bédier va également intervenir et puis à la suite, nous allons laisser la série de questions-réponses. L'idéal, c'est qu'on puisse rapidement boucler. Nous savons que vous êtes très pris, rapidement boucler autour de la trentaine, de 40 minutes de présentation. Et puis, par la suite, nous allons vous indiquer un peu le chronogramme de démarrage des différents cours à partir du processus que nous allons vous expliquer tout à l'heure. Donc, ceci étant dit, comme je l'ai dit, je le répète tout à l'heure, au nom de du DG de l'agence Côte d'Ivoire PME, M. Bama Salimou, nous vous présentons nos félicitations pour avoir été sélectionné et pour avoir été sélectionné pour en fait conduire ce programme d'appui à la productivité. Donc, sans plus tarder, je vais laisser M. Ngoran Paul qui va nous présenter un peu le programme PAP et puis à la suite de M. Ngoran, M. Jérémy et M. Arsène Adepo vont également nous présenter un peu la plateforme, le processus d'inscription et puis on va laisser la place à la série de questions et réponses. Donc, si M. Ngoran Paul est connecté, il peut démarrer. Bonjour à tous. Bonjour à tous les chefs d'entreprise présents. J'espère qu'on m'entend très bien, M. Yoda. Oui, on vous entend. Jean-Luc, on vous entend, M. Paul. On entend? Oui, d'accord. Donc, je vais à la suite de M. le directeur de l'accompagnement Conseil du climat des affaires, M. Mamadou Yoda, dire merci aux chefs d'entreprise connectés et leur dire merci et puis merci également d'être présent à cet échange, à ce kick-off de lancement de la formation en ligne sur la plateforme de formation de l'agence Côte d'Ivoire PME. Je voudrais dire que cette rencontre s'inscrit dans le cadre du programme d'appui à la productivité, qui est un programme que l'agence Côte d'Ivoire PME avec son partenaire, la GIZ, ont initié et qui a débuté le 1er octobre 2019, plutôt, et qui est un programme qui est prévu pour 2 années. Dans ce cadre, donc, l'agence, à travers son équipe projet et toute la coordination du projet, a bien voulu faire des recrutements par vague. Et donc, c'est ce qui explique le fait que c'est maintenant qu'on s'adresse à vous, chers chefs d'entreprise. En fait, c'est une question de planification du projet. Et donc, le projet, il a possible, je reviens encore là-dessus, il a possible 700 entreprises ivoiriennes, dont 500 petites et moyennes entreprises, donc des entreprises qui ont plus de 30 millions de chiffre d'affaires. Et puis aussi, on a 200 très petites entreprises, des micro-entreprises, donc, qui ont un chiffre d'affaires qui est inférieur ou égal à 30 millions. Et l'objectif in fine du projet, et ce qu'on appelle donc les indicateurs clés, c'est la création d'emplois à hauteur de 1050 et puis aussi l'amélioration de 1200 emplois déjà existants selon des critères bien définis dans lesquels je ne vais pas forcément rentrer ici pour une question de temps. Et donc, on a commencé par le recrutement d'une première cohorte. Ensuite, on est passé à une deuxième. Et enfin, on est en train d'achever le projet avec la troisième cohorte dont vous faites partie. Et si vous vous rappelez bien, on a fait un kick-off de lancement. Et à ce premier kick-off de lancement, donc, on avait expliqué qu'il s'agirait d'échanges avec les chefs d'entreprise, ce qui a déjà été fait à travers les enquêteurs, donc ils sont allés sur le terrain. J'ai eu des appels de chefs d'entreprise de San Pedro, de Boaké, de Corogo, de Cinématiali et autres. Et donc, ils sont allés auprès de vous afin de collecter certaines informations nécessaires pour l'équipe projet et les cabinets qui doivent accompagner le projet, n'est-ce pas, d'établir un mini diagnostic pour essayer de faire ressortir un peu quels sont vos besoins, hein, surtout en termes de renforcement des capacités. Et ces informations collectées, donc, ont permis à l'équipe projet ainsi qu'à tous les experts et consultants
dans le cadre du projet, de pouvoir bâtir certains modules, qui sont des modules qui vont permettre certainement aux chefs d'entreprise que vous êtes et vos collaborateurs, de pouvoir, à travers ce renforcement des capacités, donc de pouvoir améliorer ce que l'on appelle, dans notre thème, les pratiques de gestion, c'est-à-dire que vos manières de gérer vos entreprises au quotidien. Et donc, ces modules donc, ont été bâtis avec l'appui d'experts, n'est-ce pas, qui ont été recrutés dans le cadre du projet. Et comme M. le directeur Yoda l'a dit tout à l'heure, ça a pris un peu de temps parce qu'il fallait recruter les experts, il fallait mettre en place, finaliser certaines choses sur la plateforme. M. Jérémy Béger pourra en parler par la suite. Et donc là, maintenant, ce que j'ai pu avoir au téléphone, je leur avais demandé simplement de patienter. Donc, on est à cette phase-là donc, d'information donc, sur toutes ces activités que nous allons mener avec vous. Donc, dans le cadre de ces différentes formations, pour que, en fin de compte, cela puisse porter ses fruits, à savoir une agence Côte d'Ivoire PME qui met en place des projets pour renforcer les capacités des entreprises bénéficiaires donc de ces projets afin d'améliorer leurs pratiques, afin d'améliorer leurs différentes habitudes. Et donc, si vous rappelez bien, chercheurs d'entreprise, nos enquêteurs sont passés, je pense, autour du mois de mai-juin et ont pu collecter donc, toutes ces informations et les modules ont été bâtis. Je ne vais pas être plus long que ça. Et on est là dans le cadre d'un échange. Donc, c'est ces différents indicateurs que sont l'amélioration des emplois et la création d'emplois, les améliorations des emplois existants et la création d'emplois, de nouveaux emplois, que nous avons mis en place donc, ces différents... ces différents modules. Donc, monsieur le directeur, je ne vais pas être plus long, je vais attendre juste la phase des questions-réponses pour pouvoir aller plus en profondeur si nos chefs d'entreprise ont différents besoins d'éclaircissement ou de rajout en termes d'explication. Voilà. Oui, merci. Merci, merci, monsieur Ngolan Paul, qui est le chef de projet sur le PAP. Et donc, il a passé un peu en revue l'historique du projet, les objectifs du projet, les résultats attendus du projet, et puis, bien entendu, dans le cadre de recrutement par différentes vagues, nous sommes à la cohorte, à la vague 3, à la cohorte que nous appelons très souvent aussi cohorte, et donc avec, bien entendu, la prise en charge par ce outil, effectivement, le e-learning en ligne, à travers, effectivement, Campus PME de l'agent Côte d'Ivoire PME. Donc, une fois que ceci dit, nous allons laisser rapidement à M. Jérémy Béguier et à son équipe. Je pense que Jérémy Béguier, certainement avec Adopo et avec Anita, vont certainement présenter la plateforme et puis comment est-ce qu'on procède pour faire son inscription. Donc, M. Jérémy, si vous êtes en ligne, vous pouvez activer votre micro. Bonjour à tous. Vous m'entendez bien? Oui. OK. Donc, bonjour, comme je disais, je suis M. Jérémy Bédier, je suis le directeur des systèmes d'information à l'agence Côte d'Ivoire PME. Je vais vous présenter sans plus tarder comment il faudra s'inscrire sur la plateforme. Bon, attendez que je partage mon écran. Ouais, mon écran. Oui, c'est ça. D'accord. Donc, dès que vous arrivez sur, vous connectez à Internet, vous ouvrez un navigateur, n'importe lequel, et vous tapez dans la barre d'adresse campus pme.agencipme, comme il est écrit là. Vous aurez le lien dans les différents mails qu'on vous enverra. Voilà. Donc, voici un peu l'interface. Si, lorsque vous ouvrez l'interface, si ça apparaît en anglais, vous avez la possibilité de le changer en français. Voilà.
Donc, la première chose que vous aurez à faire, d'abord, on parcourt la plateforme. Lorsque je parcours, vous allez voir que les cours disponibles s'affichent. Les cours disponibles s'affichent. Ça, c'est la première fois que vous apparaissez, que vous ouvrez l'application, que vous ouvrez l'interface. Voilà. Donc, vous allez voir la liste de tous les cours. Maintenant, la chose la plus importante, la première chose à faire, c'est de s'inscrire sur la plateforme pour pouvoir avoir accès à tout ce que, à tous ces cours que vous avez vus. Donc, la première des choses, vous cliquez sur, vous voyez l'onglet connexion, juste là, en haut à droite. Vous cliquez sur connexion. Maintenant, si vous êtes déjà inscrit sur la plateforme, vous aurez à mettre juste votre nom utilisateur et votre mot de passe. Voilà. Bon, la plupart de vous, je pense que vous n'êtes pas encore inscrit. Donc, on va aller voir comment est-ce qu'on crée son profil sur cette plateforme. Donc, vous descendez totalement et vous voyez en bas, créer un compte. Je vais un peu lentement pour que vous puissiez voir. Donc, créer un compte. Donc, vous cliquez sur créer un compte. Vous allez voir une liste d'informations à renseigner. C'est vraiment pas compliqué. C'est un peu comme quand vous créez un email Google, Gmail ou bien Yahoo. C'est à peu près le même processus. Donc, dans nom utilisateur. Nom utilisateur, par exemple, vous pouvez mettre un nom de connexion. Moi, mon email, par exemple, c'est jbd. gmail.com. Donc, en fait, j'écris tout pour vous montrer que voici le nom utilisateur, c'est la toute première partie de mon email. Ça, JBG. Ça, c'est le nom utilisateur. Maintenant, je mets mon mot de passe. Le mot de passe ne s'affiche pas, c'est juste une question de sécurité. Maintenant, je mets mon adresse de courriel, c'est l'adresse email. Mon adresse email. Il faut surtout bien renseigner l'adresse email parce que, en fait, c'est là-bas qu'on vous enverra le lien de confirmation pour activer votre compte. Donc, si vous vous trompez sur l'adresse email, ça ne va pas, l'email de confirmation ne viendra pas. Donc, il faut être sûr de ce que vous mettez. Et surtout, il faut retenir aussi votre mot de passe pour pouvoir vous connecter tout à l'heure quand vous aurez fini l'inscription. Donc, j'ai mis ce qu'il faut. Je mets le nom. Je voudrais préciser quelque chose. Vous voyez tous les champs où il est marqué le petit signe en rouge, c'est des champs qui sont obligatoires. Ça veut dire que si vous ne les remplissez pas, ça ne pourra pas passer. Bon, je mets la ville là. Voilà. Et puis, je clique sur « Créer mon compte ». C'est vrai que ce nom existe déjà. Je peux changer juste le nom utilisateur vu que j'avais déjà créé. Mais je vais changer. Je vais mettre, par exemple, numéro 2. Voilà. Je clique sur « Créer mon compte ». Voilà. Donc, dès qu'on clique sur « Créer le compte », il vous fait apparaître cette fenêtre-là. Un message vous a été envoyé à l'adresse courriel JBG. Donc, à mon adresse. On dit qu'il contient les instructions pour terminer votre enregistrement. Si vous rencontrez quelques difficultés, vous pouvez contacter l'administrateur. Mais il faut, quand vous avez fini de créer, il faut aller dans votre mail personnel parce que c'est là qu'on vous envoie un lien pour pouvoir valider votre inscription. Parce que si vous ne faites pas ça, chaque fois que vous allez essayer de vous connecter, il va dire qu'il n'a pas pris votre inscription en compte. Donc, je vais voir dans mon email. Ça. Est-ce que vous voyez l'email?
Attendez, je vais partager mon email pour que vous voyez aussi le type de mail qu'on reçoit. Un instant, je change, je veux passer sur mon email pour que vous voyez le type d'email qu'on reçoit en fait. Vous voyez mon email. Hein? Bon, voici l'email qu'on reçoit. Voilà, on dit bonjour. Un nouveau compte a été demandé sur Campus PME. Votre adresse de courriel. Pour confirmer votre nouveau compte, veuillez vous rendre à cette adresse web. Donc, voici le lien qu'on envoie, ce lien-là. Je le mets, voilà, ce lien-là qu'on vous envoie et sur lequel il faut cliquer. Dès que vous cliquez, voilà, dès que vous cliquez, il retourne. Bon, donc ça aussi, je change. Voilà. Donc, dès qu'on clique sur ce lien-là, il vous envoie sur cette fenêtre. Il ouvre ça et il précise que votre enregistrement a été confirmé. Donc, vous cliquez pour continuer. Et là, maintenant, il va vous amener, il va vous faire compléter, en fait, les informations. Parce qu'en fait, quand vous êtes inscrit, on vous a demandé juste quelques informations pour pouvoir activer votre inscription. Mais après, il va vous demander d'autres types d'informations. Souvenez-vous, je vous avais dit que partout où il est mis en rouge, c'est des champs qui sont obligatoires. Donc ici, on va vous demander d'autres choses, des informations supplémentaires, centre d'intérêt. Donc dans la partie professionnelle, on va vous demander, par exemple, est-ce que vous êtes une PME? Si est-ce que vous êtes une PME, vous allez cliquer ici. Et puis vous voyez, vous êtes un porteur de projet, vous êtes ou un particulier ou un groupement d'associations. Et voilà, si c'est autre, vous cliquez sur autre et puis vous précisez en bas ici. Après, on va vous demander le nom de votre entreprise. Voilà. Et puis, on va vous demander, est-ce que vous êtes bénéficiaire du PAP, du programme PAP de l'agence Côte d'Ivoire PME? Bon, si c'est oui, bon, c'est oui. Maintenant, si vous êtes... Si oui, c'est de quelle cohorte? Parce qu'on a trois cohortes. Donc, si vous ne savez pas ce que c'est, vous mettez je ne sais pas. Voilà. Donc, si c'est un ou deux ou trois, vous précisez tout ça. Par exemple, moi, je mettrai trois. Voilà. Donc, si vous ne savez pas, vous choisissez simplement je ne sais pas. Et par la suite, on va vous informer de quelle cohorte, sur quelle cohorte vous êtes. Donc, quand vous avez fini tout ça, vous cliquez sur enregistrer. Voilà, donc ça, c'est enregistré et voici un peu comment ça apparaît lorsque vous êtes enregistré. Mais vous allez remarquer que, dès que vous enregistrez, il vous amène dans votre... Vous avez un menu à gauche où il y a un tableau de bord, l'accueil du site, le calendrier, tout ça. Ça, c'est votre espace personnel. Donc, vous... Venez sur, par exemple, accueil du site pour retourner, pour voir tous les cours qui étaient là, en fait, au départ. Si on veut, par exemple, accéder à un cours, par exemple, prenons celui-là. Lorsque je clique, ce cours va apparaître. Mais vous allez voir tout de suite quelque chose. Il va vous dire, vous ne pouvez pas vous inscrire à ce cours vous-même. C'est en soulignant que
Je vais peut-être mettre une pause pour expliquer que lorsque vous allez vous inscrire et que vous aurez activé votre compte, nous, automatiquement, on recevra une alerte pour dire que telle personne est connectée. Donc, nous, maintenant, on va vous inscrire, on va vous mettre les cours à disposition. C'est-à-dire que dans la plateforme, on va vous inscrire de sorte que vous puissiez maintenant voir ça. Bon, donc, je vais peut-être mettre une pause là pour que de côté administration, on fasse cette chose-là. En attendant, vous pouvez peut-être vous me poser des questions. Monsieur Oda. Oui. Oui. Je vous entends, oui, Jérémy. Voilà. Donc, en ce moment, en fait, je dois maintenant entrer en tant qu'administrateur pour inscrire le nouveau cours pour pouvoir continuer. Donc, si en ce moment, on peut peut-être poser des questions, le temps que je me reconnecte en administrateur pour mettre les cours à disposition maintenant. OK, donc c'est juste une question, je pense, un peu d'éclaircissement pour l'assistant. À ce stade-là, le dirigeant de la PME n'a plus la main. Oui, en ce moment, il n'a plus la main. C'est pour juste le temps qu'on lui mette les cours à disposition. Ça ne va pas prendre plus de 30 minutes ou bien plus de... En fait, ça se fait pratiquement immédiatement. OK. Maintenant, l'autre question est toujours, est-ce qu'il peut choisir une dizaine de cours qui sont disponibles sur la plateforme? Oui, c'est possible. C'est possible, mais c'est ce qu'on veut faire, en fait, pour rendre beaucoup plus facile. Oui. C'est que dès que les étudiants ou bien les participants de cette cohorte-là s'inscrivent, oui, automatiquement, on va créer un petit programme qui les mettra automatiquement à disposition tous les cours de cette cohorte-là, en fait. Donc, c'est parmi les cours de cette cohorte maintenant qu'il aura choisi le cours qu'il veut faire, en fait. OK. OK, ça marche. Il y a monsieur Kwame qui dit que je viens de m'inscrire, mais je n'ai pas encore reçu le mail de confirmation. Bon, il y a aussi quelque chose que je dois préciser, parce que comme c'est le système qui envoie le mail de confirmation automatiquement, en général, pour les Yahoo, je crois que ça passe dans le côté spam, parce que si vous n'avez pas précisé que Campus PME est une adresse que vous connaissez, pour certains, c'est pas pour tout le monde. Pour moi, par exemple, il est passé automatiquement. Mais pour vous, le système peut vous envoyer le mail et la configuration de votre email. Par exemple, je sais que ça se fait sur Yahoo. Yahoo va le mettre automatiquement dans les spams, c'est-à-dire dans les mails indésirables. Donc, à vous de rentrer. Quand vous rentrez, regardez vers les mails indésirables. Activer, préciser que l'adresse campus.pme@agence.cipme n'est pas un spam. Dans ce cas, maintenant, vous allez recevoir les notifications. Maintenant, okay, si vous vérifiez que c'est pas le cas, dans ce cas, vous nous envoyez, je pense qu'à la fin de cette session, on va vous donner l'adresse du point focal. Mm-hmm. Et vous envoyez un mail ou bien un WhatsApp ou bien vous appelez même. Vous dites que vous êtes inscrit, vous donnez votre email et on va l'activer pour vous. Mais normalement, ça se fait automatiquement. Mais si ce n'est pas fait, vous nous contactez et puis on va le faire automatiquement pour vous. OK. Bon, il y a M. Ouattara Ibrahim qui se pose la question de savoir qu'est-ce qu'une cohorte. Bon, je pense que je pourrais rapidement répondre à cela. En fait, comme monsieur le chef de projet l'a dit, c'est plusieurs PME effectivement à accompagner dans le cadre de ce programme. Et donc, nous avons fait par vague. Donc, une cohorte ici pourrait être comprise comme une vague. C'est-à-dire qu'on recrute 200, 300 et plus 400 après. Est-ce que vous êtes inscrit? OK. Maintenant, il y a également M. Séverin Assis qui demande pour le nom utilisateur, qu'est-ce qu'il faut mettre, M. Jérémy? OK. Pour le nom utilisateur, bon, moi, ce que je fais pour ne pas être un peu mélangé, vous voyez un peu votre adresse email. Vous mettez votre adresse email
vous pouvez utiliser votre adresse email comme non utilisateur. Mais en fait, c'est pas, quand je dis l'adresse email, ce n'est pas toute l'adresse email. C'est-à-dire votre adresse email, mais vous enlevez la partie @ tout le reste. Vous pouvez garder la première partie comme votre username ou bien. Vous pouvez garder la première partie. Comme ça, ça vous facilitera la tâche. Quand vous venez vous connecter, vous savez que c'est la partie, c'est la première partie qui constitue votre username ou bien votre nom utilisateur. Voilà. OK, merci beaucoup. Monsieur Kwadwo Mathias, il demande, pouvons-nous nous inscrire avec nos adresses professionnelles? Oui, oui, c'est possible. Vous pouvez vous inscrire avec votre adresse professionnelle. Et puis, voilà, vous pouvez vous inscrire avec n'importe quelle adresse. OK, ça marche. Il y a M. Doumbia qui demande Campus PME, Campus PME, s'il vous plaît, il y a certains qui ont les micros ouverts. Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, vous pouvez éteindre, couper vos micros lorsque vous communiquez. Il y a M. Doumbia qui se pose la question. Il demande, Campus PME étant un sous-domaine de l'agence Côte d'Ivoire PME, pourquoi ajouter PME à Campus? Campus seul aurait été idéal pour moi. Campus agence et PME plutôt que moi. OK. Bon, je pense que monsieur Doumbia, pour cette question, c'est une question un peu générale. Je pense que c'est le nom, effectivement, que l'agence a reçu. Et si le nom Campus PME que nous avons donné à la plateforme de e-learning, et je pense que c'est directement relié à l'agence Côte d'Ivoire PME et on pourrait effectivement, c'est un outil de plus en charge des PME. Et donc, si vous partez avec cet outil à Korogo, ça devient une marque effectivement pour l'agence. Et donc, je pense qu'il n'y a pas sur ce point-là, de discussion, c'est juste effectivement le nom marketing que nous avons décidé effectivement de donner à cette plateforme. Il y a... qui d'autre encore? Bon, pour le moment, je pense que ce sont les questions qui sont que nous avons au niveau du chat. Donc, s'il y a d'autres questions également, d'autres personnes qui veulent également se faire. Et puis, il y a M. Alexandre Gueye qui pose la question, l'inscription peut-elle se faire après ce webinaire ou devons-nous le faire maintenant? Donc, Jérémy. Oui, vous pouvez vous inscrire à tout moment. C'est-à-dire après le webinaire, vous pouvez le faire, vous pouvez le faire maintenant. Vous pouvez le faire à tout moment. OK. Il y a M. Abdraman Koulibaly qui demande quel est l'objectif premier du Campus PME. Je pense que c'est une question. L'objectif premier du Campus PME, c'est d'aligner cet outil avec la mission numéro 4 de l'agence Côte d'Ivoire PME. Lorsque nous avons été créés, nous a été donné pour mission, hein, entre autres, de renforcer les capacités techniques et managériales des dirigeants. Et nous savons effectivement que l'écosystème a besoin de renforcement des capacités. Très souvent, vous parlez d'accès au financement, d'accès au marché. C'est vrai, ce sont les contraintes qui pèsent sur les entreprises, mais les dirigeants aussi, les dirigeants des ont besoin justement qu'on renforce les différentes capacités techniques et managériales. On ne finit jamais d'en prendre. Et donc, Campus PME est un outil en ligne pour permettre, où que vous soyez en Côte d'Ivoire, d'avoir accès d'abord au dispositif qui est mis en place par l'État du Côte d'Ivoire à travers l'agence Côte d'Ivoire PME et de continuer de vous former selon à votre rythme et selon les thématiques que vous souhaitez effectivement les plus indispensables pour vous. Monsieur Kwame, est-ce que les cours seront dépendants ou chaque module est indépendant? Jérémy. Chaque cours que vous avez vu sur la plateforme, chaque cours est indépendant. Maintenant, dans chaque cours, il y a des modules. Par exemple, on peut prendre le cours sur lequel je me suis inscrit, il peut y avoir plusieurs modules. Donc, c'est les modules qui, eux, sont liés au cours. Donc, pour résumer, c'est-à-dire qu'il y a des cours. Un cours contient plusieurs modules. Maintenant, chaque cours est indépendant. Les cours sont indépendants les uns des autres. Mais les modules rattachés à des cours, eux sont liés. Je ne sais pas si je... OK. Oui, non, je pense que vous avez répondu à la question. Monsieur Kamarate Bamara, qui voudrait savoir combien de temps prend une formation. M.
Le temps pour la formation, en fait, ça dépend de parce que c'est des cours qui sont en ligne et que chacun évolue selon son rythme. Donc, si vous êtes plus vous êtes rapide, vous finissez ça vous-même. C'est-à-dire que c'est un programme, c'est vous-même qui établissez votre, votre vitesse, et votre rythme et puis votre calendrier. Donc, ça dépendra de chacun, quoi, la durée. OK. Bonjour à tous. Madame Sandrine Ochou. Après réception des modules, est-ce qu'il y aura des rencontres en présentiel pour mieux comprendre certains aspects ou est-ce que c'est juste online? Ngolan, Paul. Oui. Oui, oui. Je suis là. En fait, il y a madame... La question, c'est... La, Madame Sandrine Ochou qui demande que oui. Est-ce qu'il y aura des rencontres en présentiel à la suite effectivement des modules en ligne? Oui, merci Madame pour cette question. Ce que nous avons prévu, comme je le disais d'entrée de jeu, comme je le disais, il était question d'abord de recorder l'information et puis pouvoir apprécier les besoins. Et comme effectivement on est en train de sortir véritablement de la crise sanitaire, on est obligé de vivre avec, mais on a préféré être un peu loin et commencer par le renforcement des capacités. Après, nous allons essayer toujours de cette même manière dont on a ressorti les modules pour faire les formations. Nous allons ressortir également les besoins en termes d'accompagnement des PME pour lesquels il y a vraiment besoin, au risque de me répéter, et on verra quelles sont les actions à mener. Et ça, ça va voir plus tard. Il faut d'abord que les PME, d'un premier temps, aillent sur la plateforme qu'elles suivent cette formation, ces différents modules-là qui sont déjà mis en ligne. Et puis, le reste, c'est à nous de partir, d'aller et puis voir au cas par cas celles qui ont vraiment des besoins, eu égard aux informations déjà recueillies dans le cadre de l'enquête que nous avons menée sur le terrain à travers nos différents agents qui sont allés vers les chefs d'entreprise. Donc, c'est ce que je voulais... Voilà, OK, c'est un peu merci. Ça. Merci beaucoup, monsieur le chef de projet, monsieur Grand Paul. Il y a monsieur Daouda Kofi Traoré qui se demande, est-ce que les formations sont déjà disponibles? Je pense que ça, c'est déjà dit. Jérémy, est-ce que les formations sont déjà disponibles? Oui, les formations sont déjà disponibles. OK, merci Jérémy. Monsieur Toussaint, qui demande... quelle est la suite après la formation, vu que l'objectif des entreprises est de bénéficier de financement? Bon, monsieur Toussaint, résume aux besoins des entreprises, aux questions de financement. Je pense que, étant un acteur privilégié de l'écosystème et de l'ensemble des acteurs, des opérateurs économiques ivoiriens, je pense que nous nous sommes rendus rapidement compte qu'au-delà des questions d'accès au financement, au-delà des questions d'accès au marché, au-delà des questions d'accès à l'innovation technologique, la question de renforcement des capacités techniques des dirigeants est une condition sine qua non pour mieux gérer son affaire, son business. Donc, je pense que ne voyez pas les formations, les renforcements de capacités, les renforcements de capital humain comme du temps gaspillé, comme de l'argent jeté par la fenêtre. Déjà, je précise que ce programme est gratuit, entièrement gratuit, pris en charge par le bailleur. Et donc, c'est le temps, effectivement, que vous consacrez à vous former. Et ce temps-là, c'est vrai, on peut le monétiser, mais ce n'est pas du temps gaspillé. C'est du temps qui va, effectivement, être consacré à renforcer vos capacités techniques en tant que dirigeant, à faire en sorte qu'au cours des prochaines années, vous ayez un management, une gestion de votre affaire beaucoup plus améliorée. Et ça, on l'a constaté en tout cas, dans plusieurs études. Et autre chose que je voulais dire, c'est que l'agence également dispose d'un programme d'accès au financement à travers les fonds COVID. Et donc, pour le budget, pour l'année 2021, les fonds existent toujours. Et donc, si vous êtes intéressé, que vous remplissez les différents critères, vous pouvez, M. Toussaint, soumissionner à ces fonds, étant donné effectivement de respecter les différents critères. Et donc, il est important, je précise, il est important de renforcer vos capacités techniques et managériales. Il y a M. Idrissa Samaté qui se demande, après le cours virtuel, aurons-nous des... Oui, monsieur le directeur. Monsieur le directeur. Oui. Oui, oui. Je voulais juste ajouter quelque chose à la suite de ce que vous venez de dire. Je voulais dire à M. Toussaint qu'on est parti d'un constat assez clair. Monsieur le directeur parlait tout à l'heure de renforcement de capacité
de fonds COVID. Mais en réalité, quand nous sommes partis sur la première cohorte du programme d'appui à la productivité, on s'est rendu compte que seulement 37% des entreprises étaient structurées et étaient gérées comme de véritables entreprises. Alors que dans le cadre du fonds COVID, par exemple, la structuration financière est un élément important. Voilà pourquoi, fort de toutes ces expériences que nous avons eues, nous nous sommes dit qu'il est important de partir sur les fonds de structuration des entreprises à travers la formation des chefs d'entreprise. Quand on peut, on enverra bien sûr des spécialistes vers ces entreprises-là. Quand il faut aussi que ce soit des renforcements de capacités, on fera des renforcements de capacités parce que la gestion même des fonds qui sont mis à disposition, il faut un minimum de connaissances des chefs d'entreprise pour pouvoir être sûr que ces fonds pourront être pérennisés. Aujourd'hui, même on a les fonds COVID, le recouvrement même pose énormément de problèmes pour ceux qui ont déjà eu accès. Pourquoi? Parce que la gestion, il y a ce qu'on appelle une confusion totale du patrimoine entrepreneur, chef d'entreprise et entreprise en tant qu'entité. Donc, il est important pour nous, n'est-ce pas, de vous appuyer sur tous ces aspects, le renforcement des capacités techniques et managériales des dirigeants, la structuration aussi de vos différentes entreprises, sur toutes les fonctions de l'entreprise, afin de pouvoir faciliter l'accès au financement, afin de pouvoir faciliter l'accès au marché. Voilà. Donc, c'est juste ce que je voulais apporter comme complément à ce que vient de dire M. Yoda. Merci. Merci, M. Morin, pour le chef de projet. Il y a M. Lamine Sylla, qui voudrait savoir si, à la suite de la formation, il y aura des évaluations et des attestations de formation. M. Ongoran ou M. Géry, vous pouvez répondre sur cette question. Bon, ça me donne l'occasion déjà de... Vous avez dit tout à l'heure qu'on s'était inscrit, maintenant il fallait ouvrir l'espace pour vous montrer un peu le module. Donc, je vais partager mon écran encore. Ça va peut-être permettre de répondre à la question tout à l'heure. OK. Donc lorsque vous êtes inscrit, on clique sur connexion pour aller sur la plateforme. Donc, tout à l'heure, vous vous souvenez, j'avais mis l'email là. Donc, dans la partie utilisateur, je mets ça et je mets mon mot de passe. Voilà. Donc, je me suis... j'ai ouvert mon espace. Vous voyez qu'il y a un seul cours qui est disponible là en ce moment parce que l'administrateur m'a mis dans ce cours-là. Mais comme je dis, vous êtes une cohorte, vous êtes un groupe, donc il y a un certain nombre de cours qui sera mis à votre disposition. Donc, quand vous rentrez ici, vous rentrez sur le cours, vous allez voir, il y a le module 1, module 2, module 3, jusqu'à module 5. Maintenant, vous aurez aussi des évaluations, des tests d'évaluation, comme vous pouvez voir ici. Il y aura des forums. Les forums, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que si vous avez, pendant le cours, vous avez des préoccupations, une question, vous pouvez cliquer sur le forum ici. Et puis, voilà, vous pouvez poser une question. Pourquoi on met ça sous forme de forum? Parce que comme vous êtes un groupe, peut-être que si... quelqu'un pose une question, peut-être qu'on partage la question. Comme ça, quand il y a une réponse, aussitôt tout le monde bénéficie de la réponse. Donc ça, c'est forum. Donc, pour répondre à la question, il y aura des évaluations. Mais bon, ce n'est pas vraiment des évaluations du type qu'on avait à l'université ou bien au lycée. C'est vraiment juste des évaluations pour permettre pour voir si vous avez compris ce qui a été enseigné. Donc, c'est un peu ça. Maintenant, le certificat, c'est bien ce que j'ai entendu. Si à la fin, après l'évaluation, s'il y aura des certificats de participation, il y aura ça, c'est sûr. Donc, je ne sais pas si je réponds déjà à la question. Allô? Vous voyez mon écran, OK. Donc, vous m'avez entendu? Allô? Monsieur Yoda?
Allô, Jérémy. Oui. Oh, je t'entends, hein, on t'entend. Je passe Yoda. Vas-y. Ok, bon, donc, d'accord. Donc, peut-être que je vais continuer à montrer un peu plus le coup. Je vais continuer à montrer un peu plus le coup. Donc, lorsque vous êtes entré dans le coup, par exemple, on prendra le module 1 et je clique sur le lien module 1. Il va vous donner ce lien-là. Et voici, ça, c'est juste un exemple de coup qu'on vous montre. Voilà. Voici un peu comment ça se présente. Voilà. Je vais passer un peu plus vite. Donc, voilà. C'est un peu comme ça que ça se présente. Voilà, vous aurez c'est des concepts assez succincts, assez ça va droit au but de ce que vous devez savoir pour ne pas faire des tests trop longs parce qu'on sait que vous travaillez en entreprise. Le temps, c'est quelque chose de très précieux. Donc, c'est des cours vraiment designés pour vous faire aller droit au but. Vous permettre de comprendre l'essentiel beaucoup plus facile et aller droit au but. Donc, les évaluations vont ressembler à ça aussi, ou bien peut-être des fichiers à télécharger, des cases à cocher. Donc, on les a rendus vraiment flexibles pour que vous puissiez pas avoir trop de difficultés à maîtriser les cours. Donc, voici un peu un exemple de cours que vous aurez. Voilà. Voilà, donc... Monsieur le directeur, donc peut-être que vous pouvez prendre la parole pour d'autres explications éventuelles. Jérémy, c'est bon? Oui, c'est bon. OK. Oui, c'est bon. Je sais pas, donc, s'il y a d'autres questions. Mm-hmm. Okay. OK, merci. Je pense que M. David Indri, qui se demande, quelles sont les conditions pour participer au cours? Bon, je pense qu'on a déjà, revenu ça. Donc, Jérémy, tu peux y aller? Les conditions. Bon, pour s'inscrire voilà, donc, au cours. Il faut déjà dire que c'est pas payant, c'est gratuit. Voilà. Voilà. Et puis il faut juste avoir un email et puis s'inscrire sur la plateforme, recevoir une confirmation et vous pouvez maintenant vous inscrire au cours. Ok, merci beaucoup. Il y a M. Conan Michael Abo. Il dit qu'il voit le logo de statut d'entrepreneur et à quand les cartes la fin du processus d'enregistrement. Bon, je pense que s'il est déjà le statut d'entrepreneur est un produit également de l'agence, c'est un outil qui nous permet effectivement de formaliser les acteurs de l'économie informelle vers le formel. Donc c'est un l'État de Côte d'Ivoire donne mandat à l'agence pour opérationnaliser ce statut. Et ce que vous devez, si vous êtes déjà inscrit dans le cadre du processus d'enrôlement, ça veut dire que vous avez certainement reçu un lien dans votre adresse email pour dire que vous avez soumissionné. Et si le dossier a été validé en passant par le processus de conformité, certainement également vous avez reçu le document que nous appelons l'attestation d'entrepreneur en format PDF signé par le directeur général de l'agence Côte d'Ivoire PME. Ce document est le document le plus important.
La CAT, effectivement, est une option que nous avons ajoutée dans le cadre du statut d'entrepreneur. Donc, le document qui est le plus important, c'est l'attestation d'entrepreneur, qui est la première étape pour pouvoir effectivement aboutir au registre. Et donc, M. Colin Michael Abo, le document que vous avez certainement reçu est le document qui nous fait obligation effectivement de vous fournir. C'est le document en lien, c'est ce que nous appelons l'attestation d'entrepreneur. Donc, les quatre, effectivement, sont les options. Ces quatre vont venir beaucoup plus tard, mais ce n'est pas lié effectivement à ce processus d'enrôlement que nous faisons. C'est carrément un autre chronogramme. Il y a M. Kamagate, M. Bazoumana qui souhaiterait quitter. Non, je n'ai pas de problème. Si vous avez compris, je pense que vous pouvez après revenir pour créer votre compte et puis vous inscrire. Il y a M. David C. qui demande qu'on envoie le lien d'inscription au cours à tous les participants à la fin de ce webinaire. Je pense que ça va être également fait. Je voudrais savoir si les cours sont établis selon un programme préétabli ou sont en fonction de notre choix. Monsieur Jérémy, Monsieur Séverin a posé cette question. Est-ce que les cours sont établis selon un programme préétabli ou c'est en fonction du choix de... À ce niveau, je crois qu'il y a, il y a une liste de cours qui a déjà été établie. Peut-être... Monsieur voilà, Dupo pourra prendre la parole pour compléter ça. Nous avons plutôt opté pour les choix aux dirigeants d'entreprise d'établir eux-mêmes leur programme. S'il vous plaît, présentez-vous à Dupo. À Dupo, présentez-vous. Oui, ok, d'accord, c'est vrai. Oui, bonjour à tous, je suis Arsène Adoupo, donc consultant dans le cadre du suivi de l'évaluation du programme d'appui à la productivité à l'Agence Côte d'Ivoire PME. Alors, par rapport à cette question, il faut dire que l'option qui a été retenue, c'est de laisser libre choix aux responsables d'entreprise d'identifier eux-mêmes les coûts parmi donc l'ensemble des coûts qu'on met à leur disposition, qui voudront bien suivre. Et puis, selon leur programme, selon leur disponibilité, aller donc sur la plateforme pour renforcer leurs capacités. Voilà ce que j'aimerais dire par rapport à la question. OK, merci beaucoup. Je pense que vous venez de recevoir le lien de Campus PME, donc envoyé par notre collègue, mademoiselle Anita. Donc, vous retrouverez rapidement ce lien-là. Il y a madame Adjoa Marie-Antoinette Yokoli. Monsieur Luda. Oui. OK. Toujours par rapport au lien, je pense qu'il y a un flower qu'on va mettre à leur disposition qui donc récapitule toutes les étapes pour l'inscription sur Campus PME. Donc, ça va suivre également. Oui, mais comment vous mettez ça à leur disposition? Non, le service communication va faire suivre ça. J'ai déjà discuté avec l'un des points. Ok, voilà. Merci. Merci beaucoup merci à la COM et à M. Adepo. Donc, je disais que Mme Adjoa Marie-Antoinette Yokoli, épouse Kouadjo, qui se demandait quels sont les critères qui nous permettront de nous assurer que les apprenants ont bien compris le contenu du programme et de ce que vous avez demandé. Moi, je pense que c'est une excellente question. Donc, Monsieur Jérémy, est-ce que vous avez quelques éléments de réponse par rapport à cela? Comment nous assurer que les apprenants ont vraiment compris? Est-ce qu'il y a des tests d'évaluation? Monsieur Jérémy? OK. Bon. Oh, attends. Allô, madame. Oui. Voilà. Donc, je disais qu'à la fin de chaque module, on a prévu des questionnaires ou bien des quiz, des questions à choix multiples, en fait, pour tester la connaissance de chacun. Donc, c'est ce qui est prévu à la fin. Des évaluations, comme j'ai montré tout à l'heure, des évaluations, des questionnaires sur le coup à choix multiples. Avec ça, on pourra se rendre compte si la personne a compris ou pas. OK. Merci beaucoup, M. Jérémy. Mais je voudrais juste revenir sur ce point, dire qu'on n'est pas dans un processus d'évaluation stricto sensu. On n'est pas également dans un amphi à l'université ou dans une grande école. Vous êtes des dirigeants de PME. Il est important que vous ayez à votre rythme,
hein, selon vous-même, effectivement, votre disponibilité, votre calendrier, vous allez à votre niveau pour pouvoir mieux maîtriser. L'objectif étant que les différents outils qui sont mis en ligne puissent vous permettre de renforcer la gestion, la gouvernance de votre entreprise et puis surtout vous permettre d'améliorer votre productivité sur tous les aspects, sur toutes les fonctions de l'entreprise. Donc, c'est vraiment le but de l'exercice. Donc, il n'est pas en réalité d'évaluer les différents gérants, directeurs d'entreprise, gérants de PME, responsables, CEO, DG à ce cours. Donc, mais c'est juste un petit quiz qui permet effectivement de nous assurer que vous avez un peu quand même suivi un peu la formation. En tout cas, merci beaucoup. OK, je crois qu'on avait prévu, on avait prévu pour 11h. Il est 11h09. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je pense que on va laisser le soin d'envoyer les différentes informations à tous ceux qui sont connectés. Donc, M. Jean-Luc, si tu as d'autres points, il y a également Jérémy, il y a aussi Paul Ongourand. Si vous avez d'autres points, les points d'éclaircissement à apporter avant qu'on puisse passer à la conclusion de ce webinaire. Ongourand, Paul? Monsieur Yoda, j'ai pas de point particulier. OK. Mais juste dis peut-être que vous allez envoyer le lien et les différents. Et je pense que Adopo a mentionné un document important à l'ensemble des participants. C'est ça? Oui, c'est prévu. C'est prévu. OK. Paul Ongourand, est-ce que vous pouvez, vous avez un mot? Ongourand, votre micro est fermé, je crois. OK. Oui, Yoda, j'étais complètement déconnecté. Hein. Okay. J'ai perdu la connexion, donc je viens de me reconnecter. Est-ce qu'il y a quelque chose de précis? Non. Et là, je vois que c'est connecté deux fois même, tout ça. Oui, je pense qu'on est en train de chercher à conclure. Donc, l'idée, c'était que, chef de projet, est-ce que vous avez des éléments d'éclaircissement à apporter ou bien, en tout cas, en termes de conclusion, si vous avez quelque chose à dire à l'ensemble des participants de ce... Je voulais juste, à la suite de la présentation faite par Jérémy, dire aux différents bénéficiaires que nous sommes là, que nous restons disponibles. Les contacts ont été partagés lors de la phase de collecte de données par les enquêteurs. Moi, je vais plutôt les exhorter à vraiment aller sur la plateforme d'apprentissage parce qu'il y a beaucoup de choses à apprendre là-bas. Et ce sera le début pour nous, ce sera une mise à niveau hein, pour la suite de ce que nous allons faire éventuellement avec ces différents chefs d'entreprise. Le renforcement des capacités est l'un des piliers parce que sur 14% des entreprises meurent pour incompétence, par manque de connaissances techniques des chefs d'entreprise. Donc, en dehors du financement, il y a l'aspect renforcement des capacités qui est assez important. Et donc, il faudrait que tout le monde, chacun s'y rende en fonction des difficultés qu'ils vont rencontrer. L'équipe projet est là, Jérémy est là, Adopo, moi-même. Et puis, bon, on pourra voir comment, Anita aussi. Et puis, on pourra voir comment est-ce qu'au fur et à mesure, lever les différentes barrières, les différentes difficultés au fur et à mesure du déroulement. Donc, merci à tous d'être présents. Et puis nous restons disponibles. Donc, monsieur le directeur. C'est juste ce que j'avais à ajouter. OK, ça marche. Merci beaucoup. Jérémy, tu as d'autres points à ajouter? Je voulais simplement préciser que pour tous ceux qui vont essayer de se connecter, de créer leur compte, de créer leurs accès, dès que vous aurez une difficulté, vous pourrez envoyer vos questions à l'adresse de contact, c'est Campus PME. Bon, on va vous écrire ça. On va vous écrire ça dans le truc. Mais Campus PME, @agencipme, ou bien, à cette adresse, je pense que vous aurez toutes les informations qu'il faut. Donc, dès que vous envoyez à Campus PME, vous pourrez aussi, je ne sais pas si j'ai prévu un groupe WhatsApp ou quelque chose comme ça, mais dans tous les cas, c'est l'adresse à laquelle il faut envoyer sa préoccupation et puis on va vous répondre immédiatement. Donc, M. Yoda.
OK. Donc, merci. Merci beaucoup. Je pense, avant de qu'on se quitte, je souhaiterais demander aux participants s'il était possible d'envoyer les différentes adresses. Bon, je pense qu'on l'a quand même à partir de la communication, les différentes adresses mail. Donc, on va vous envoyer effectivement quelques éléments de réponse pour les questions qui n'ont pas été répondues. En tout cas, merci à tous. Merci aux entreprises bénéficiaires de ce projet, effectivement, d'appel à productivité financé par notre partenaire, la coopération allemande. Je voudrais encore une fois, au nom du directeur général de l'agence Côte d'Ivoire PME, dire merci à la coopération allemande à travers la GIZ pour ce financement accordé à l'agence pour permettre de renforcer les capacités techniques et opérationnelles des dirigeants de PME. Merci à mesdames et messieurs, les dirigeants de PME, les directeurs techniques, les CEO, les gérants d'entreprise. Merci beaucoup. Merci également aux collègues qui sont en ligne pour participer effectivement à cet échange. Je souhaiterais que très rapidement, vous puissiez vous connecter rapidement pour que d'ici ce vendredi, on puisse faire le point. Et puis, l'équipe technique va prendre le relais pour vous aider effectivement à avoir accès aux différents cours. Et donc, nous allons faire un point d'étape, je pense, à partir de la semaine prochaine. Et puis, vous relancer, surtout relancer tous ceux qui se sont inscrits pour suivre ce webinaire, mais qui n'ont pas pu, effectivement, pour être contraints d'agenda, n'ont pas pu le faire. Donc, nous allons vous relancer pour vous demander de vous inscrire et puis faire un point d'étape. Donc, il est important, comme le chef de projet le disait, il est important qu'on puisse renforcer vos capacités. C'est la condition sine qua non pour que lorsque vous avez des marchés, lorsque vous avez des financements, vous puissiez mieux les gérer pour améliorer la productivité de vos différentes entreprises. Merci à tous, merci beaucoup et au revoir. Agence Côte d'Ivoire PME, accompagnez l'avenir.